Good morning. My name is Ian Shugart. I am the Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet. Thank you for joining us today for the swearing-in ceremony of members of the 29th Canadian Ministry. Bonjour, je m'appelle Ian Shugart. Je suis le greffier du Conseil privé et secrétaire du cabinet. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour la cérémonie d'assermentation des membres du 29e Conseil des ministres canadien. To begin, I will seek the Governor General's consent to proceed. Pour commencer, je demanderai le consentement du Gouverneur Général pour continuer. Excellence, pouvons-nous commencer? Excellency, may we proceed? With the Governor General's approval, we will now proceed with the ceremony. Maintenant que le Gouverneur Général a signifié son approbation, nous procéderons à la cérémonie. Members of the Queen's Privy Council for Canada, who are changing responsibilities, will now be sworn to office. Les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui changent des responsabilités, vont maintenant prêter leur serment d'office. In the presence of Her Excellency, the Prime Minister, and Canadians viewing this event, I invite the Honourable Marc Garneau to take the oath of office as Minister of Foreign Affairs. En présence de Son Excellence, le Premier ministre et les Canadiens qui visionnent cet événement, j'invite l'honorable Marc Garneau de prêter le serment d'office à titre de ministre des Affaires étrangères. Moi, Marc Garneau, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre des Affaires étrangères. The Honorable Marc Garneau will now take the oath of office in English. L'honorable Marc Garneau prêtera maintenant le serment d'office en anglais. I, Marc Garneau, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Foreign Affairs. Congratulations, Minister. You may now sign the oath of office that is in your possession. Thank you. Thank you. Félicitations, Monsieur le Ministre. Veuillez maintenant signer le serment d'office qui est en votre possession. Je vous remercie. Bravo, Marc. Félicitations. Merci pour tout ton travail. I now invite the Honorable François-Philippe Champagne to take the oath of office as Minister of Industry, to be styled Minister of Innovation, Science and Industry. J'invite maintenant l'honorable François-Philippe Champagne de prêter le serment d'office à titre de ministre de l'Industrie, devant porter le titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Moi, François-Philippe Champagne, je promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ainsi Dieu me soit en aide. The Honorable François-Philippe Champagne will now take the oath of office in English. L'honorable François-Philippe Champagne prêtera maintenant le serment d'office en anglais. I, François-Philippe Champagne, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skills and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Innovation, Science and Industry. So help me God.
Congratulations, Minister. You may now sign the oath of office that is in your possession. Félicitations, Monsieur le Ministre. Veuillez maintenant signer le serment d'office qui est en votre possession. Je vous remercie. Merci. Faites ça vite. Bravo, François-Philippe. Félicitations, mon ami. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est signé. The ministers designate, who are members of the Queen's Privy Council for Canada, will now be sworn to office. Les ministres désignés qui sont membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada prêteront maintenant le serment d'office. I invite the Honorable James Gordon Carr to take the oath of office as Minister without portfolio to be styled Special Representative for the Prairies. J'invite l'honorable James Gordon Carr de prêter le serment d'office à titre de ministre sans portefeuille devant porter le titre de représentant spécial pour les prairies. I, James Gordon Carr, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as special representative for the prairies, so help me God. Congratulations. You may now sign the oath of office that is in your possession. Félicitations, veuillez maintenant signer le serment d'office qui est en votre possession. Je vous remercie. Congratulations, Jim. It's great to have you back. Great to have you healthy. Lots of work ahead. Glad to have you with us. I now invite the Honorable Omar Al-Ghabra to take the oath of office as Minister of Transport. J'invite maintenant l'honorable Omar Al-Ghabra de prêter le serment d'office à titre de ministre des Transports. Moi, Omar Al-Ghabra, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de mes compétences et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et j'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre des Transports. The Honorable Omar Al-Ghabra will now take the oath of office in English. L'Honorable Omar Al-Ghabra prêtera maintenant le serment d'office en anglais. I, Omar Al-Ghabra, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Transport. Congratulations. You may now sign the oath of office that is in your possession. Thank you. Félicitations. Veuillez maintenant signer le serment d'office qui est en votre possession. Congratulations, Omar. It's great to have you with us, my friend. Thank you, Prime Minister. The Governor General, the Prime Minister, and I will sign the oath books at a later time to formally witness the swearing-in of the ministers. La gouverneure générale, le premier ministre et moi-même apposerons nos signatures sur les registres de serment à une date ultérieure pour attester officiellement la sermentation des ministres. The Governor General will now entrust the Great Seal of Canada to the custody of the Registrar General of Canada. La gouverneure générale confiera maintenant le Grand Sceau du Canada à la garde du Registraire Général du Canada. Minister Champagne, I entrust you with the Great Seal of Canada for safekeeping. Ministre, Monsieur le Ministre Champagne, je confie à votre garde le Grand Sceau du Canada. J'en profite pour vous féliciter, ainsi que l'honorable Marc Garneau. And I take advantage of this occasion to welcome back Minister Carr to Cabinet and to welcome Minister Al-Ghabra to Cabinet. Congratulations to you all. All the best. And
bravo on this first ever virtual swearing-in ceremony in the history of Canada. C'est un excellent exploit. Thank you, Your Excellency. Thank you, Prime Minister, and thank you, Canadians, viewing this event. To conclude the ceremony, I would like to once again congratulate the ministers of the 29th Canadian Ministry and thank everyone who has participated in this important and, as you've said, Governor General, unprecedented ritual of our democratic system. Merci, Excellence, Monsieur le Premier Ministre, et les Canadiens qui visionnent cet événement. Pour terminer la cérémonie, j'aimerais encore une fois féliciter les membres du 29e Conseil des ministres et remercier tous ceux qui ont participé à ce rite important et sans précédent de notre système démocratique. Merci à tous.